Ok, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on a un match de hockey sur glace. Et cela se passe entre deux humains contre une personne. Mais où est-ce qu'elles sont les émotions de vice-versa? Je crois qu'elles vont pas tarder à arriver. Effectivement, Joie est juste ici avec anxiété. Ouais, c'est bien anxiété, je ne me trompe pas. Waouh, il l'a poussé! Non mais le pauvre! Oh, et regardez, c'est anxiété qui prend le relais! Oh, c'est le bordel, il y a tout le monde qui tourne, toutes les émotions qui se cognent. Oh non, la pauvre. Oh, oh, c'est quoi ce bordel? C'est Tristesse qui a récupéré... C'était quoi ce truc? Je sais pas trop ce qui s'est passé. Ah! Oh, elle, je la connais! Je crois que c'est... Ah, ennui, non? Non, c'est pas ennui, c'est paresseux. Non, je sais plus. Ah, lui, je le connais, c'est embarras. Si je dis pas de bêtises. Ça, c'est colère. Et là, nous avons dégoût. Regardez, c'est dégoût. Et je crois qu'il n'y a plus d'autres personnages. Hein. Ah si. Oui, je sais plus. Je connais plus son nom. Et ça, c'est... Pleurnicheuse. Pardon. Qu'est-ce qu'ils font? Regardez, ils se mettent tous en... Sur leur 31, je sais pas. Ils sont beaux gosses et tout. Et on a Joie qui est totalement KO. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Joa? Pourquoi t'es totalement fatiguée? Ah, mais oui, c'est parce qu'elle était par terre. Je crois que Joa va reprendre la forme uniquement si la fille, elle marque. Waouh! Waouh! Non! Je crois qu'on est en train de la sortir du corps! Non, gardez-la! Non! Ils sont tous les deux... Mais où est-ce qu'ils se trouvent? Oh, what? Je sais pas du tout où est-ce qu'ils se trouvent. Je me suis dit qu'ils allaient être éjectés à l'extérieur, mais pas du tout. Ils se trouvent à un autre endroit actuellement. Mais... Oh, ils sont dans un bocal. Et regardez, le dessus, il est fermé. Mais comment ils ont fait pour se retrouver à l'intérieur? Oh, attention! Ok. Bon, là, à présent, vous avez réussi à faire tomber le bocal. Et peut-être que si vous essayez de le faire rouler... Ah oui, excellent. Très bonne idée, ça. Ils le font rouler et ils vont... Ah, let's go! C'était super intelligent de leur part puisqu'ils ont ramené le bocal jusqu'au mur pour le casser et enfin sortir. Bien joué à tous les deux. Bon, mettez d'ailleurs un pouce bleu pour eux, hein, ils le méritent. Ah, et du coup, ils repassent par le même tuyau. Ils repassent par le même tuyau. Est-ce que... Attention, c'est quoi cette boule? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah! Ils ont recliqué dessus, regardez! On dirait on est dans Mario. Non mais sérieusement. Vous avez encore cassé un truc? Non mais vous allez casser le corps de la fille, la pauvre. Elle a rien demandé. Ah, ils sont tous les deux en train de tomber. Abonnez-vous si vous voulez pas qu'ils meurent d'une chute. Ok, ils sont tombés du coup dans des billes. Ah, ça a amorti la chute et heureusement, j'ai envie de dire. Bon. Par contre, c'est super stylé. Moi aussi, j'ai trop envie de plonger dans les billes comme ça. Oh, ça va être vraiment trop bien. Il est vraiment en train de coiffer ses trois derniers cheveux qui lui restent, là? On dirait Homer Simpson, sérieux. Oh! Mais wesh, c'est une voyante ou quoi pour voir, du coup, son avenir dans les boules? Non, mais sérieux. Oh, oh. Elle a deux doigts de tomber. Oh! Elle va marquer! Est-ce qu'elle va marquer? Pourquoi elle est sirène? Je comprends pas. Mais elle a deux doigts de marquer! J'ai pas trop capté parce que je comprends pas trop l'anglais, là. Oh! La fille a fait tomber un truc, du coup, sur ses devoirs. En fait, la fille n'est plus du tout joyeuse. C'est pour ça que Joie est vraiment totalement désespérée et a été éjectée du corps. Et l'anxiété, je pense qu'elle a été... il a été éjecté aussi par erreur. Ouais. Par contre, là, il y a un petit problème. Les boules, regardez, ça fait une avalanche. Et où est-ce que vous vous trouvez à présent? Non, mais ils vont visiter tout le corps entier ou quoi, là? Sérieux? Vous êtes où à présent? Non mais on dirait on est dans des ruines puisque regardez, juste derrière on a de l'eau et là de la pierre. Non mais wesh, ça a abusé. C'est quoi toutes ces boules connectées? On dirait les boules, ils sont connectés jusqu'au cerveau, je comprends pas. Non mais, attends mais elle fait de la guitare avec, mais c'est pas un instrument de musique! Faut faire attention, c'est le corps humain de la fille. Et vous pouvez casser un petit truc... Et la fille risque de mourir. HQ. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Ok, c'est un espèce d'ascenseur qui nous ramène au control room. C'est là où tout se passe. C'est là où il y a toutes les commandes. Je pense qu'ils sont de retour à la base. Ah, mais il faut une clé! Qui a la clé? Oh, on a quelqu'un derrière. C'est qui? C'est Colère? Non, c'est pas Colère. Si, c'est Colère. Ah, c'est Colère, il est là. Regardez, par contre, il fait de la magie. Il fait du yoga. Il est en lévitation. Tranquillou. Il nous faut la clé pour entrer, s'il vous plaît. Hey, arrête de parler. Donne-nous la clé, là. Et là, tu parles pour rien. Non, mais wow. On veut juste la clé, sérieux. Hey, les amis, mettez dans les commentaires la clé. Vous mettez clé. Ouais, parce que là, ils parlent trop. Moi, j'ai juste envie de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte. Est-ce qu'ils sont de retour à la base secrète? Ou est-ce qu'ils ont trouvé tout simplement une nouvelle base? Ou une nouvelle partie dans le corps? Oh, Joël est en train de pleurer! Mais donne-lui la clé, regarde! Elle se met à pleurer à cause de toi! Allez, Colère! Tout de suite, la clé! Voilà! Oh oh! Colère et furieux! Oh, what? Il avait même pas besoin de la clé, il s'est tellement énervé qu'il a craché de la flamme pour ouvrir la porte. Ok. Ah, c'est la fille. Oh non, c'est Envie. Et oui, c'est l'Envie qui parle là. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle a l'air d'être pas normale. Qu'est-ce qui t'arrive, Envie? Tu as envie de quoi? Aïe! Quand vous êtes cogné, il s'est passé quoi? C'est Envie qui a touché! En fait, tout ça, c'est la faute d'Envie! On comprend mieux! Envie, tu es méchante! Pourquoi tu as fait ça? Et ça te fait rire! C'est vraiment pas... Elle a des super pouvoirs! Non! Regardez! Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-les tranquilles! Non! Il faut faire quelque chose! Il faut combattre Envie et l'éjecter de ce corps. Elle ne doit pas être ici. Elle est méchante avec les autres émotions. Ok. Ok, vas-y. Je crois que ça, c'est la mémoire de la fille. Allez, tirez! Tirez! Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais... Qu'est-ce que vous touchez? Non. Ah si, c'est la mémoire, si c'est ça. Ça, je crois que c'est la mémoire. Ah, elle est arrivée deuxième, la fille. Elle est même pas arrivée première. Nul. Ah, en vrai, c'est bien. Non, en vrai, c'est bien. Bon, faites quelque chose. Ah. Touche-le. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, let's go. Joël est redevenu normal, regardez. Elle a le sourire. Et Envie, est-ce qu'elle est de retour? Oh oh. Énervé, il est passé en mode point exé. Regardez, il est totalement énervé parce qu'il a touché la mémoire. En fait, chaque personne qui touche la mémoire, enfin le truc bleu qu'on a vu tout à l'heure là, avec les petits fils et tout, il devient complètement dingue dans sa tête. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que là, tout est redevenu normal. Le match est peut-être enfin terminé. Et est-ce qu'elle a gagné? Ce match-là, est-ce qu'elle a gagné ou pas? On va le savoir. Non, même pas. Bon, on l'a pas su. Ok, on passe tout de suite à un épisode 2. Qu'est-ce qui se passe? Ah, non! Vous avez retouché la mémoire! Et tout le monde devient complètement dingue! Arrêtez de crier, mes oreilles! Oh oh! Ils ont été mis dans les bocaux. Enfin, dans les bocaux. Enfin, juste dans le bocal et il a été éjecté. C'est dégoût. What? Attendez, mais... Il se transforme en bowling! Qu'est-ce que tu y fais, toi, tristesse? Oh oh! Oh, Joël est énervé! Non, Joël! Désolé! Excuse-nous! Oh! Joël est en train de dessiner un truc. Oh, il est stylé le dessin. Bon, tes dessins sont beaucoup mieux, mais. Ouais, je préfère les dessins de Joël. Il faut pas toucher à ça! Qu'est-ce que vous comprenez pas, ne pas toucher à la mémoire? Les règles sont si simples pourtant! Oh oh, TNT, boum! Ah, toutes les billes qui tombent! Oh là là, c'est le bordel, regardez! Avalanche!
Non mais ça va tuer des personnes là. Joie, t'as envie? Relève-toi, Joie. J'ai pas envie que tu meurs. C'est pas maintenant que tu vas mourir. Non mais regardez, la pauvre, elle souffre pour rien. Toutes les émotions qui foutent le bordel. Mais pourquoi vous faites ça, sérieux? Non mais regardez, ils ont tout cassé. Ah. Et... mais ils sont devenus complètement fous. Ah non, c'est bon. Joie est redevenue normale. Non. J'ai cru que t'avais posé le truc. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Il se passe quoi? Un caca? Pourquoi ça s'est transformé en... what? Ok. Ah, Joie, t'es redevenue normale? La fille, elle a plus mal au ventre? Non, t'as cassé le bouton! Mais regardez, le mec, il bug! Il devient complètement fou! Bon,